quoi. C'est vrai qu'il y a en fait deux niveaux de lecture dans ce que je fais, quoi. On peut voir que le côté enfantin en se disant, bah tiens, finalement, un gamin peut le faire, quoi. Mais donc c'est bien de cultiver l'enfant qui est en soi, quoi. Donc c'est vrai que bah, ce que je fais, ça pourrait paraître enfantin. Mais après, c'est une question de lecture, quoi. Et c'est une question d'éducation aussi. C'est vrai que tout le monde peut le faire, mais il faut le faire. Donc faisons-le, quoi. Consommer à l'excès, pourquoi acheter pour faire des choses en fait, alors que ben, chez soi on a plein de choses qu'on peut reprendre, qu'on peut trouver. Ben, en fait, c'est aussi quand tu n'as pas trop d'argent, ben voilà, tu vas pas acheter du matériel exprès pour faire un tableau, donc ben, tu te sers de ce que tu as, quoi. Donc y a ce côté emballage qui est là, hein. Ben, les CD c'est de la récup, les bouchons c'est de la récup, les trucs de Kinder c'est de la récup. Plein plein hein. T'as les petits photos forts pareil quoi, c'était des pots de yaourt avant quoi, donc voilà, ben ça c'est ce que j'aime faire quoi, c'est récupérer des objets. Resurrection time, the roller coaster of life. Le sac, ça peut être un support, ça peut être des sacs tableaux, hein. On peut voir ça comme des tableaux aussi, et voilà, bon bah ça me permet sur un petit format 44 sur 44 de jouer avec la matière, donc avec cette on va dire cette colle, ce plastique, c'est plutôt un plastique que je peux teinter dans les coloris de mon choix.